David est notre ami du midi et pour vous accompagner, l'animateur qui honore les plus grandes légendes de l'humour en Côte d'Ivoire, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du Wam, c'est mon gars sûr, c'est la demure. Yeah, 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 yeah. Bon, qu'est-ce qui est parti? Attends. Fa, toko toka, meon, attrape-moi. Choco! Attends. Voilà, ça. Non, c'est bon, va avec, c'est bon. Boris! Si l'humour ivoirien était un immense bâtiment, mon ami du jour ferait partie de ses plus solides fondations. Comédien dans l'âme et extrêmement talentueux, il a contribué à placer très haut la barre du théâtre et du rire en Côte d'Ivoire. Koulibaly Daouda, alias Omega David, est un doyen de la scène humoristique ivoirienne et africaine. En acceptant de passer ici, aujourd'hui, nous voir, bien sûr, sur le plateau de WAM, il nous comble de bonheur et nous prépare d'avance à une émission pleine de joie et surtout avec beaucoup d'anecdotes et des répliques, j'en suis sûr, hilarantes. Avant de se tordre de rire sur ce plateau avec Omega David, nous irons à la rencontre de jeunes dames qui font preuve de beaucoup de courage. Elles exercent des activités dominées par les hommes et arrivent à s'illustrer de fort belles manières. Avant donc de retrouver Apoutchou sans filtre aux côtés de nos sœurs déterminées et travailleuses, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dumbo et né pour réussir. Et sur Live TV Midi, c'est mon heure. Bienvenue. Yep. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, quand on dit dans la vie que chacun a ses problèmes, alors je pense que c'est ça qui est là maintenant. Voilà, parce que vous allez le voir dans la vidéo du jour. Alors que d'autres cherchent à faire médicaments pour avoir l'argent, pour réussir, pour voyager, il y en a qui disent qu'ils veulent tout simplement voir leur photo d'un canari comme ça, ça leur plaît, c'est leur dada. Lui-même, il demande aux filles de le basser, c'est-à-dire de l'envoûter. Voilà, tout ça là, franchement, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, mais trêve de blablabla, regardez. Bassez-moi, j'ai dit je veux voir ma photo dans le canari. Bassez-moi, envoûtez-moi. J'ai dit, moi là, mon cœur, je vais manger. Bassez-moi, on dit c'est dans le crêpe, on basse donc moi. Bassez-moi, je veux. Non, franchement, les Ivoiriens. Ne manque pas d'imagination, franchement. Bassez-moi. Et quand tu es bassé maintenant, après, tu ne pourras plus t'en sortir. Tu as dit, voilà, tu vas faire le tour des églises et des mosquées. Allez, ce qui nous fait rire le plus sur Internet, dans les kiosques à journaux, les images les plus drôles, les vignettes les plus décalées, et tout ça maintenant dans les pépites de Willy. Démarrons avec la pépite numéro 1. On va la baptiser les défunts. Alors, notre première pépite nous vient de la page Guinée Buzz officielle. On ne sait pas si c'est un concours de Miss, ou bien s'ils ont fait, je ne sais pas moi, autre chose, mais en tout cas, voici les deux dauphins, défunts du jour. C'est comme ça que c'est écrit donc sur leurs écharpes. Alors, le premier défunt et la deuxième défunte. Alors, ce n'est pas nous qui avons dit ça, mais c'est eux-mêmes qui ont écrit ça sur leurs écharpes. En tout cas, bravo aux défunts. Nous, on continue la vie.
Alors, on poursuit avec la pépite 2. Elle s'appelle l'affaire d'iPhone 12. Je ne sais pas qui en a ici un iPhone 12. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Qui a un iPhone ici? Toi? iPhone combien? 5? 12. Au fait, il a juste pris un papier et puis il a écrit 12 dessus et puis il a collé ça derrière. Un devant, c'est cela. Allez, en tout cas, quand on dit que ce n'est pas ton jour, franchement, ce n'est pas ton jour. Alors, notre ami est allé demander le prix de iPhone 12 pour effrayer la galère. Bon, dans ça, là encore, il est en train de toucher, voilà, l'écran de iPhone là qui se casse dans sa main. Bon, son visage est devenu, on dirait, il est en train de manger gna gna avec citron. Les gars, pardonnez, prions pour consoler notre ami. Yako, mon frère. Franchement, je ne sais pas qui va l'effrayer ou bien qui a effrayé qui, mais, mon ami, c'est ça, dit, tu es dans pain là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ici, en tout cas. Non? Non, non? Toi? Non. Non? 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 On fait attention, en tout cas, faites attention. Allez, c'est tout, en tout cas, pour les pépites de ce jour-là. On file tout droit maintenant vers le 12h chrono. Mais avant le 12h chrono, l'infobuzz. On démarre avec des acteurs ivoiriens primés au Sotigui Awards. La 5e édition des Sotigui Awards, une cérémonie de récompense du monde du cinéma, s'est tenue samedi dernier au Burkina Faso. Deux acteurs ivoiriens ont été distingués au cours de cette soirée. L'acteur Maoula Kané a reçu le prix du meilleur acteur Afrique de l'Ouest pour son rôle dans le Triangle d'or du réalisateur Olivier Koné et le jeune Ange Eric Nguessan pour son rôle dans le film Jusqu'au bout de Yacine Ounsoun qui a été diffusé il y a peu sur nos antennes. En tout cas, félicitations à nos frères qui viennent de porter haut les couleurs de notre pays. On vous attend ici pour débriefer en long et en large les Sotigui Awards. Bravo encore et que Dieu vous bénisse. On poursuit avec Djedi Apali, retrouvé mort. Alors, c'est une mauvaise nouvelle dans le monde du 7e art. L'acteur franco-ivoirien Djedi Apali, porté disparu depuis un an, a été retrouvé ce 13 novembre. Recherché depuis sa disparition de son domicile en 2019, toutes les enquêtes pour le retrouver étaient jusqu'ici restées vaines. Son corps a été retrouvé malheureusement après un appel à témoins lancé par la police de Reims et il a été formellement identifié grâce à son dossier dentaire. Selon un témoin, le comédien se serait jeté sous un TGV le 12 juillet 2020 à la gare de Bézanne. Tout porte à croire que l'homme s'est donc suicidé, selon sa mère, et n'avait plus donné de nouvelles depuis décembre 2019. L'acteur âgé de 45 ans avait connu le succès en 2016 dans son rôle pour le film donc Le Gang des Antillais. Gros carton, gros film et grosse performance de l'acteur ivoirien. Toutes nos condoléances à sa famille biologique et surtout artistique. Rest in peace. On poursuit avec Maxwell Cornet qui fait plaisir à Jean Quérault. Une fois de plus, le plateau du WAM fait des heureux. Alors, quand on vous dit de passer ici pour venir prendre vos bénédictions, vous pensez que c'est amusement. Les gens quittent ici, on leur donne des prix. D'autres quittent ici encore, ils trouvent travail. Certains même sont décorés. Bon, le dernier exemple en date, c'est bien sûr le coiffeur des stars. Jean Quérault, barbeur 225. Il était de passage ici la semaine dernière et il avait émis le souhait donc de voir le footballeur international Maxwell Cornet dans son salon de coiffure. Eh bien, c'est chose faite. Maxwell Cornet a tendu son appel, il a entendu son appel et il est allé se faire coiffer par Jean Quérault qui n'a pas manqué de remercier Life TV. C'est l'occasion pour moi en même temps de remercier toute la direction, tous nos responsables, la responsable de l'édito, hein, maman Charlène Danon. Voilà, quand tu lui dis quelque chose, elle dit mais elle regarde. Voilà, merci en tout cas de permettre à ces jeunes-là, de nous permettre de faire venir ces jeunes-là ici et toutes ces sommités-là, afin de pouvoir donc faire montre de leur talent, parler aussi de ce qu'ils savent faire et ça ne peut que donner ça. Jean Quérault, de rien en tout cas. Merci à toi aussi, à ton talent, à ta persévérance. Si on peut contribuer comme ça à faire des heureux avec cette émission-là, on le fait avec grand plaisir. Bon vent à toi et surtout courage, beaucoup de courage en tout cas pour la suite. Merci infiniment d'être reconnaissant, merci encore. Et merci surtout à Maxwell Cornet. On termine avec une grosse exclue pour vous, le clip à Adjoumani est enfin prêt. Ouais. Voilà, je le disais tantôt, on finit cette infobuzz par une belle note musicale. Le clip Adjoumani de DJ Benfica et le petit Adjoumani est enfin prêt. Et dire donc que cette histoire-là a aussi été lancée sur le plateau de William Midi. Vraiment, je pense que cette émission-là, elle est... magique. Merci, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Voilà. Allez, découvrez en image, bien sûr, ce beau, beau clip-là. Et c'est exclusif, nulle part ailleurs que sur Life TV. Regardez. À nos papas, Ahmed Bakayoko, le ministre... Obena Adjoumani Kwasi, last year. Adjoumani,
bravo, bravo pour ce beau clip là, bravo à DJ Benfica, Renard Balakissa, et puis aussi au petit Adjoumani, à la petite fille aussi qui chantait Adjoumani, Adjoumani, à celui aussi qui a filmé, à celui qui a donné le chargeur pour charger le téléphone, à celui aussi voilà, qui a balancé la vidéo, en tout cas, celui aussi qui a acheté le pass. Merci aussi à toi, sinon on ne va jamais s'en sortir. Merci en tout cas au réalisateur aussi, Andy Chacour, merci à Monsieur le Ministre, merci à tout le monde. Allez, c'est la fin de l'Info Buzz pour ce jour-là, on va maintenant suivre ensemble notre 12h chrono. Sous nos cieux, certains ont vite fait de considérer tel ou tel autre métier comme des professions d'hommes, alors qu'en vrai, les métiers n'ont pas de genre. Et les jeunes dames que nous allons vous montrer dans cet élément-là en sont le parfait exemple. Alors, suivons tout de suite avec notre très cher Apuchou Sans Filtre et son compère Gauthier Yué. Notre 12h chrono. C'est bon, ah ! Notre 12h chrono qui fait la part belle à nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Certains métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes, à avoir brisé ce mythe en se distinguant dans des milieux autrefois réservés aux hommes. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes de ces battantes. Les mains dans le moteur, Céline fait les derniers réglages avant de prendre le volant de son taxi. Elle est la seule femme chauffeur de taxi dans cette gare de Woro Woro. Une place à gauche, avec la cache-nez ici. Voir une femme au volant d'un taxi est parfois inattendu. C'est un peu étonnant, quoi. Parce que dès que tu viens naître, tu te dis directement que tu vas t'apprécier à tes amis, des frères. Donc, je vois qu'elle m'a accueilli. Je ne me suis même pas adressé à elle. Je me suis dit que ce n'est pas ton travail. Depuis 4 ans, Céline transporte des dizaines de passagers par jour. Bon, pour une femme, avec les clients, ce n'est pas trop facile. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusent d'accepter qu'une femme conduise le taxi, appeler client, et puis tu es seul parmi les hommes. Au départ, j'avais honte. Mais quand j'ai commencé, en tout cas, ça va. Souvent, les hommes se plaignent. Toi, tu es femme, et puis tu arrives ici avant nous. Tu ne dors pas à la maison. J'ai dit, si, je dors. Mais là, on vient chercher l'argent, donc il n'y a pas de femmes ici. Tout le monde est garçon. Et je suis un petit garçon. Dans une entreprise à Yopougon, nous avons retrouvé la première femme arbitre de taekwondo de Côte d'Ivoire. Ce matin, elle a spécialement enfilé son dobok pour retracer son histoire. J'ai commencé en tant qu'athlète et j'ai eu même une médaille d'or à un tournoi international en Afrique. Mais après, les réalités du sport m'ont obligé à changer de camp. Pour rester dans le milieu du combat, j'ai décidé de devenir arbitre. Et en 2016, elle s'envole pour le Brésil où elle officie comme première femme arbitre noire de taekwondo. J'ai participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Chine d'abord. Et ensuite, j'ai été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Rio, les derniers en 2016. En tant que femme arbitre, j'étais très fière de représenter mon pays parce que je suis ivoirienne avant tout. Mon rêve, c'était d'être arbitre olympique, d'être la première femme arbitre olympique en Côte d'Ivoire. J'ai pu y arriver, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, quand je dors et que je me réveille, que je vois toutes les récompenses que j'ai eues en tant qu'arbitre, quand je vois ma tenue officielle de Rio, je suis fière. Arrivera ? Une autre femme est dans un commerce très physique, celui de la vente de gaz. Chaque jour, Josiane soulève de grosses bouteilles de gaz pour satisfaire ses clients. Pour moi, pour soutenir une bouteille de gaz, ce n'est pas compliqué. Surtout les B12, les B6, ça fait bientôt un an que je suis ici. Au début, quand les gens viennent et puis nous voir, ils trouvent que c'est difficile. Mais quand tu es dans le milieu, tu trouves que ce n'est pas difficile, c'est facile. Que ça soit difficile ou pas, Josiane aime son métier. Bon, des hommes, d'autres qui viennent t'aider. Je te dis non, laisse, ça c'est pas travail de femme, laisse, je vais le faire. Mais par contre, il y a d'autres qui viennent et te disent, c'est moi, je vais m'amener, dépêche-toi, que tu le fais, avec sourire. Mécanicienne, pilote ou militaire, les femmes peuvent exercer n'importe quelle activité, comme pour dire que les métiers n'ont pas de genre. Voilà, on va applaudir s'il vous plaît, très chers esprits du WAM, ces vaillantes femmes-là qui, nuit et jour, se lève avec, bien sûr, hein, toutes les difficultés au quotidien pour aller à la recherche donc, de leur un peu pour venir nourrir leur famille. Franchement, je pense que ça ne doit plus exister, là, cette différenciation de métiers. Ouais, les hommes doivent faire ça, les femmes doivent faire ça. Je pense que tous les métiers doivent être au moins voilà, faits, soit par un homme, soit par une femme. Et je pense, et je pèse mes mots, que lorsqu'une femme se met dans un métier, ça marche même, je dirais, même mieux même que les hommes, n'est-ce pas? Voilà, les hommes qui n'ont pas dit oui, ben, ce sont des machos. Voilà, c'est ça. Ness, voilà, Ness, je préfère. Alors, on va marquer une petite pause et puis dans quelques instants, on va recevoir l'ami du midi.
Je vous l'avais bien dit depuis les premières heures de cette émission, William Midi, c'est le temple du rire en Côte d'Ivoire. Tous les humoristes y sont honorés et aujourd'hui, nous recevons l'un des plus grands. Mesdames et messieurs, on fait du bruit pour monsieur Omega David. Wouh yeah Wouh le tonton. Merci. Ouais, mon vieux. Oh là là. Hey oh là là. Hey, le pain. Hey, le pain. Hey, tonton. Hey, amen. Ah, j'ai reçu la bénédiction. Amen. Amen. Bonne arrivée, tonton. Comment ça va? Merci. Yaku. Oh, ça va? Ce sont les escaliers. Ah, vraiment. Les quoi? Les escaliers. Non, je fais peur à commencer. Pourtant, j'ai étudié le mot depuis hier. Ah, et puis ça va pas. Ça va? Ça va, oh, vraiment. Ah, on va applaudir encore, s'il vous plaît, pour mon tonton personnel. Non, ça, ne vous fatiguez pas, parce que comment on m'applaudit quand j'ai honte? Ça va. Bon, on va l'applaudir encore, on voit comment ça donne quoi quand il a honte. Le pain! Ouais. C'est un plaisir de recevoir ce grand monsieur-là. Non, j'ai 1m25. 1m25. C'est ça qui est sur ma carte dentée. En fait, c'est ce qu'ils ont écrit. Voilà. Est-ce qu'on va s'en sortir hein? Non, on est déjà sorti. Allez, à l'état civil, c'est Koulibaly Daouda. Koulibaly Daouda, d'accord. Né en Côte d'Ivoire, oui, précisément. Oui, en Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. Ouais. Quelque part où ça? Dabakala. Dabakala, d'accord. À 13 km de là, à ouais. Kaolo Sobala. Je suis sûr que les cabrites de Beauvais sont heureux comme ça. Et puis voir la télévision. Ok, d'accord. Maintenant, comment est-ce que il arrive, Omega David, il arrive à l'humour? Et puis, déjà avant d'y arriver, c'est qui a donné le nom Omega David? Oh là, c'était... Bon, on était un groupe de 5. D'accord. Qu'on a appelé dans le temps les rigolos d'Apopo. D'accord, ouais. Et puis, les rigolos, on était dans une troupe de théâtre. Ouais. Et puis, après, avant que le maître n'arrive, nous, on montait des sketchs. Et puis, on apprenait ce genre qu'on appelle aujourd'hui l'humour. C'est ça, l'humour. Voilà. Ouais. Donc, et un jour, on s'est dit, bon, il fallait que chacun trouve un nom, un sobriquet, voilà, pour ne pas qu'on s'appelle par le nom du village. Voilà. Donc, sur les quatre, j'étais le dernier à me trouver un nom. Ouais. Et on m'a dit un jour, après les répétitions, moi, ce qui me portait, c'est une fois, après les répétitions, c'est les critiques, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, demain, sur quoi on doit mettre l'accent. Et puis... Après les répétitions, on me dit non, si demain tu ne trouves pas de nom, ton nom, Koulibaly Daouda, va rester. Bon, c'est pas mauvais, c'est avec ça. Donc, c'est pas ça qui m'a encombré en fait. On finit les répétitions, tout et tout. Et puis, on me dit, bon, on est à toi. Il dit, ah, c'est vrai. Donc, je suis le dernier. Parmi tous ceux-là, on me trouvait non. Dernier. Quelque part là-bas. Je sais pas si c'est en physique, mais en mathématiques. Bon, vous qui êtes parti à l'école, j'ai dit Omega. Là, c'est la fin. Ouais, Alpha Omega. Ouais, Omega. Voilà. D'accord, donc le dernier, il a me trouvé un nom. Et puis mon nom, Daouda, je casse un peu, il trouve David. David, c'est ça. Et c'est moi, mon nom qui est resté parmi les 5 qui se sont trouvés des noms. Et dans les 5, il y avait qui déjà? Il y avait deux côtés aussi sont restés. Ouais. Il y avait l'autre. Daiko, ouais. Mais lui, son nom n'était pas Daiko. À cette époque, il ne touchait pas encore à l'alcool. Ouais, non, on va dire comme ça. Non, il n'était pas saoulé. Il n'était pas Daiko. Il était encore lucide, ouais. Ouais, son Daiko est venu d'une émission qu'on animait dans le temps. D'accord. Qu'on appelait à l'Ocodrome. Ouais, à l'Ocodrome. Qui était vraiment une émission radio, mais qui drainait du monde. Parce que nous-mêmes, ça nous faisait mal quand on doit. À une émission radio, on chassait les gens pour dire allez-y, plus place. Le gars, il est quitté à Yopougon, bien dans son commencé, sous le chaud soleil, et puis il n'a pas trouvé de place. Quand je le voyais partir, c'était difficile pour moi de digérer. Ouais. Et après, l'émission a commencé à sortir. Ouais. On partait dans les quartiers. C'était pas facile, mais on sentait qu'on grandissait. Nous, on ne connaissait pas l'argent à ce moment-là. Nous, on voulait grandir. Et donc, de mes 1m25, j'ai grandi un peu de 3 cm. Mais c'est bon. D'accord, ok, ça marche. On va applaudir encore ce grand monsieur-là qui est avec nous aujourd'hui. Notre ami du midi, monsieur Omega David. Allez, on va faire une petite pause. Cette fois-ci-là, on va aller sur scène, on va voir ce que tu sais faire. Il y a tellement de talent, ce monsieur-là, franchement. Mais on a cherché quelque chose qui est assez, récent, un peu à côté. Parce qu'on n'avait pas vraiment cette carrure-là, ce poids, ce background pour dire on va aller fouiller dans les années Toé là-bas. Parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est sur scène. Alors, c'est un duo avec Judith Bailly.
Ah, voilà, bon, c'est ça. Ouais. On lui fait un coucou, c'est c'était sur la scène. Mes élèves. Ouais, ouais. Ah, sur la scène du Gondwana Club, regardez. Sinon, Marie, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle travaille? Sinon, elle travaille ici. Quand tu arrives après Bessiaou, là, la rue qui descend. Non, la rue qui descend, là, il y a des restaurants. Il y a des restaurants. Premier, deuxième, troisième restaurant, c'est chez elle. Elle est grosse noire. Ah, elle prépare bien. Mon petit, j'ai mangé là-bas avant-hier. La vérité, j'ai pris Placali 200. Ah! Non, je sais de quoi. Non, mais monsieur, arrêtez! Est-ce que vous savez que vous méritez l'enfer? C'est pas enfer! Faut le demander seulement sur Marie, c'est un restaurant. Elle a fait, c'est en bois. C'est en bois. C'est en haut là même, elle a mis caoutchouc. Jaune. Et c'est ça qui fait le problème en Afrique. Bon, il y a quelque chose que tu ne connais pas. On veut te renseigner et puis tu sautes, sautes. Voilà, tu sautes, sautes. Bon, messieurs, ce n'est pas grave. C'est sur Marie dedans. Je vais vous lire l'évangile. Tu as écrit quoi d'abord? Non, je vais vous lire l'évangile. Jules. Oui. Jules, c'est qui ça? Le même Jules là. Quel Jules? Le même Jules là. Non, 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 j'ai une histoire très amère de Jules. On était à Bobo derrière Rail. Jules. Tu connais Jules aussi? Ah non, mais Jules nous a mis en groupe. Oh, il partait ramasser des poulets volés, des poulets morts. On a mangé ça une première fois. Oh, c'est quelque chose, il ne faut pas commencer. Voler. Tu as volé une fois, tu vas voler deux fois. On a mangé poulet mort de Jules. Premier jour, le lendemain, c'est nous, on a demandé à Jules, et tes trucs là, où tu as eu ça hier? Yeah. Jules est parti voler encore à la ferme. Quand on a fini de manger net, c'est le policier qui est venu. On va applaudir, s'il vous plaît, Esprit du WAM. On va applaudir très fort, monsieur Omega David. Il nous fait l'immense honneur d'être notre ami du midi. Alors, grand frère, oui. Tonton, oui. Quand tu regardes ces images-là, et tu regardes 30 ans en arrière, ou plus d'une trentaine d'années en arrière, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que je suis satisfait de ce que j'ai accompli ou j'ai accompli, ou peut-être de ce que je n'ai pas encore accompli? Moi j'ai un problème en fait. Je ne sais pas si c'est un problème, mais ça. Je ne suis jamais satisfait de mes prestations. Et chaque fois que je regarde, c'est comme un tableau d'art, je me dis que je peux encore apporter un coup de pinceau. Voilà, je ne suis jamais satisfait. Insatiable, insatisfait. Voilà. Je pense que c'est une grande qualité aussi, ce n'est pas un défaut, je pense. D'accord. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, dis-nous exactement, parce que beaucoup de personnes disent non, j'aimais la chose, oui, j'avais des soucis, voilà pourquoi je me suis jeté dans l'humour. Mais toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a... Moi, j'ai abandonné. Tu as abandonné? Moi, j'ai abandonné l'école. L'école, oui, pourquoi? Pour aller au théâtre. Au théâtre, d'accord. Je faisais le théâtre au village. Quand j'étais au CE1. L'école n'avait pas marché précisément? Non, 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 personnellement, non, non, d'accord. À l'école primaire au CE1, je faisais le théâtre, c'est là-bas j'ai eu la toute première fois. D'accord. Un petit prix, il y a eu le deuxième prix au théâtre scolaire. D'accord. Donc j'ai eu une motivation là. Donc je viens après la cinquième, en seconde, je reprends au lycée 3 de Dalois. Et puis j'y vais en 86 à un festival où j'ai eu une médaille d'argent. Wow. Au théâtre. Donc, ça me réconforte encore. Ouais. En 87, j'ai dit, bon, je laisse tomber. Mm-hmm. Et puis, je vais à un festival. Là-bas aussi, on est primé. Et puis, j'ai dit à mon grand frère, bon, vraiment, j'ai la faut garder. La vieille, elle est fatiguée. Il ne faut pas être fatigué. Moi, je vais me jeter. C'est ce que j'aime faire. Mm-hmm. C'est ce que je veux faire. C'est ça. Et ce n'est plus devenu pour moi un métier. C'était devenu, ma passion était devenue un jeu. Un jeu, c'est cela. Et ça me... J'ai beaucoup raté les repas de... Le dîner. Le dîner, c'est ce que les repas du soir. Les repas du soir, on appelle ça le dîner. Maintenant, voilà. Midi, c'est déjeuner. Déjeuner. Matin, petit déjeuner. Hein, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Tu as vu comment les choses changent. Je savais. Les choses changent. Hein. Donc, pendant quelques années, je ne prenais plus ce repas du soir. Parce que j'arrivais très tard, après les autres. Et on dit, bon, celui qui n'est pas là, on mange. C'est ça. J'ai dit, il n'y a pas de soucis. On mangeait ta part. Non, manger, je vais manger. Il y a surtout aussi cette grosse émission là, satirique de la télévision nationale. Oui, il ne faut pas fâcher. Comment moi, je suis rentré? Comment tu es rentré? La vie est belle. Ouais. Non, la vie est belle, ça c'est... C'était La vie est belle avant? Non. La vie est belle, c'était une petite émission. D'accord. Il s'appelle petite émission, mais il y a aussi qui a pris... Ouais. Du poids, qu'on a animé aussi avec Georges Taï Benson, le doyen. Sinon, là, c'était Faut pas fâcher. Mm-hmm. Faut pas fâcher. Le doyen qui m'a appelé pour me faire jouer à Faut pas fâcher, il me dit,
ça, après un tournage au CHU de Trècheville, il me dit, mon petit, tu m'intéresses, je veux que tu viennes jouer dans mon émission. Il dit, c'est quelle émission? Il dit, faut pas fâcher. J'ai dit, d'accord, je vais réfléchir. Ok. On me dit, petit, ça, on vient nous demander, tu dis, pardon, moi, je vais réfléchir. Toi, tu dis, tu vas réfléchir. Et je suis allé réfléchir. Ouais. Un autre jour de passage, je passe à la télévision, le doyen me voit, il dit, ah, mon petit, t'as fini de réfléchir. Ça ne t'intéresse pas. J'ai dit, ah oui, bon, je vais essayer. J'ai encore ce mot-là. Ouais. Donc, je suis venu, mon premier essai, il a dit non, c'est un mot, on va le garder. C'est ça. Et puis, on m'a gardé, on a commencé, les jetons qu'on donnait au doyen, on a commencé à me payer de la même manière. Et puis, bon, je me suis retrouvé. C'est parti jusqu'à ce jour-là. Voilà. On va encore applaudir, s'il vous plaît. Merci infiniment d'être avec nous. Merci pour ce beau partage d'expérience. Là, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout égrener, mais au moins, on va retenir l'essentiel. Beaucoup de passion, surtout la passion oui. de faire de son métier. Donc, non plus une passion, mais plutôt, voilà. il a dit tout à l'heure, un jeu. Quand on travaille, tu le fais avec passion, ça devient un jeu. Ça devient un jeu. Voilà, et puis tu ne sens pas le temps passer. Ouais. On ne sent pas le temps passer. Non, non, non. Omega David est avec nous dans ce studio-là, les esprits du WAP. Vous ne les voyez pas, mais ils sont omniprésents. Allez. Tonton, oui. moi c'est comme ça que je t'appelle, non, hein. donc je ne vais pas changer ça. T'es habitué. Voilà, donc on salue aussi au passage ton cousin, Tim Agbayi. Oui, Tim Agbayi. Voilà, c'est ça, un grand chanteur. Tu vas nous faire une chanson tout à l'heure de Tim Agbayi. Mm-hmm. Mais avant, aujourd'hui, dis-nous, là, maintenant, le théâtre, est-ce que le théâtre vit toujours dans notre pays? Beaucoup de personnes ont annoncé le théâtre, le décès du théâtre, d'autres disent qu'il y a une restructuration. Qu'en est-il exactement? Coma profond. Dans un coma profond. Le théâtre est dans un combat profond. D'accord, ok. Il peut revenir, il en faut beaucoup de bruit autour. Beaucoup de bruit autour. Voilà, il faut d'abord des bonnes pièces de théâtre, des gens de qualité déjà, qui vont bien les monter, pour que ce soit des bons spectacles qui soient joués par des anciens qui aimaient aller déjà au théâtre. Ouais. Parce qu'une ville comme Boaké a toujours encore le goût du théâtre. Les gens au de Boaké, culturel, Jacques Akka. Voilà, ils vont à Boaké, ils vont au théâtre. Et même à Abidjan ici, il y a des salles, il y a des coins où les gens encore vont au théâtre, suivent des pièces de théâtre. Et puis, ça peut revenir, mais il faut un travail. Il faut un travail. D'accord, ok. On espère en tout cas que d'ici là, ben, ce travail de fond là sera fait. Mais vous déjà, on vous félicite pour ce beau travail là que vous faites déjà. Et c'est quoi les projets à long terme? À long terme même, bon, pas je suis même dans les projets. D'accord. Je suis sur une série. Ouais. Qui les premiers éléments sont en train de passer sur une chaîne. Super. Et puis. Parce qu'on aura ça aussi ici après. Il y a une série policière. On aura ça ici. Forcément. D'accord. Forcé. Je fais un coucou donc déjà à M. Guy, de la Guizo People. Voilà. Il saura de quoi on parle. Ce qui passe là-bas venir. Nickel, forcément. Il n'y a pas de souci. Ça doit passer ici parce que je suis passé ici aujourd'hui. C'est clair. Et puis. Est-ce qu'on verra seul sur scène? Ou peut-être Omega. J'ai un hôtel. D'accord. Et puis, j'ai mes clients. D'accord. Ah ouais. Dans... Si tu viens, moi, tu me donnes mon argent. Ok. Maintenant, le reste, là, il ne sait pas comment. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je t'encaisse. Et puis, lui. En fait, on ne sait pas quand ce monsieur-là est en train de jouer ou bien quand il est. Voilà. C'est tellement naturel. Mais nous, on a tous envie de voir tonton Omega David sur scène un jour, peut-être pour célébrer les 30 ans, 40 ans de carrière. Oui, ça sera bientôt. Bientôt? Oui. Sinon, le deuxième projet qui est imminent, je vais faire un petit tour au village. D'accord. Voilà, pour une question de funérailles. Moi, j'ai là-bas la légende. Quand ils ont entendu qu'à Abidjan, ça marchait, il y a eu trois monnaies, eux, ils ont beau village. Ok. Omega, David est avec ton fil tout droit vers le rendez-vous. Projet, il doit partir au village. Voilà. Je ne dis pas aux sorciers, vous là. Vous ne me connaissez pas. Attendez-moi, tranquille, ils ont une phase. D'accord. Donc, je lance bientôt. D'accord. Voilà, le prochain, dans deux semaines. Dans deux semaines, voilà. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Allez, tous les lundis ici, on teste quelqu'un, ou bien un service ou une application. Ouais. Une application, un service, c'est pareil. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a décidé de piéger une personne. Donc, on va tester les talents d'acteur. Mmh. On n'en doute pas, mais on veut juste le voir en scène. Mmh. Et l'idée, c'est un oncle qui est venu, un oncle imaginaire qui est venu. Mmh. Il est arrivé à Abidjan pour des funérailles d'une personne imaginaire. Mmh. Et il appelle un parent, quelqu'un qui est censé être un parent et qui doit venir le chercher à la gare. Donc, tonton, tu es venu à Abidjan, tu es à la gare, tu es perdu, et tu appelles quelqu'un, la personne doit venir te chercher pour les funérailles. Donc, tu en pleures, tout ça. C'est bon? On lance l'appel? Je pleure. Mais... non, aujourd'hui,
C'est toi qui va lancer l'appel. Non, d'accord, on lance l'appel et puis on va. Non, mais bien avant, il y a une petite vidéo qu'on va suivre. D'accord. Et puis on revient. D'accord, petite vidéo qu'on va suivre et puis on revient. Ok, ça marche. Y a pas de on direct de Live TV où on forme tous une grande famille. C'est l'anniversaire de Willy. Joyeux anniversaire, mon pote. Trop de talent dans ton corps. Nous te souhaitons sympathiquement joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Willy. Willy est bon. Professionnellement, créativement et très bon dans la livraison de plats gratuits. Profite bien de ton anniversaire. Ce que j'aime beaucoup chez toi, tu es très humble, très effacé. Joyeux anniversaire Willy en Anjaé. Je vous invite à toi. Happy birthday. Bon anniversaire Willy, grand cœur. Joyeux anniversaire Willy. HVD, gros Willy. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Que de bonnes choses pour toi et moi. Heureux jour de naissance à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite d'aller de succès en succès. You're funny, you're kind. You're such a great friend and you're a great co-worker. So happy birthday. We love you. Tu fais la fierté de Live TV. Longue vie à toi mon frère. Plein de bonheur, gâteau, nous on t'adore. Plein de bisous. Tu prends de l'âge 7, mais ne change surtout pas. Reste fou comme tu es. J'espère que pour cet anniversaire, tes cheveux vont enfin repousser. Bisous. Qui es-tu, Willy Dumbo? Non, non. Qui êtes-vous, Willy Dumbo? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, tu es déjà né. Donc, happy birthday, tout simplement. Joyeux anniversaire, Willy! Un an de plus, un cheveu en plus, ce serait pas mal. Continue à nous faire rire et puis je te laisse mon bureau. T'as de la chance. Et puis juste un peu plus de folie. Voilà. Continue ce que tu fais, c'est vraiment top, merci. Bonne continuation. Tu es le champion de ta génération. Joyeux anniversaire, Willy! Beaucoup de bonnes choses, on te souhaite le meilleur et puis on espère que tu vas passer une belle journée. Bisous. Aujourd'hui, c'est ton jour. Merci surtout de rester qui tu es et de continuer à exploser. Car c'est un bon camarade, notre Willy Dumbo. À la tête chaude. Joyeux anniversaire, Willy. Happy birthday depuis le Canada. Beg you depuis le Canada. Happy birthday, Willy. Joyeux anniversaire à toi, le plus fou, le plus fou de tous. Le plus talentueux, Willy. Le poster. Yes. Joyeux anniversaire, Willy. Et arrête de m'embêter les matins, hein. Je te souhaite un petit peu de cheveux et puis bon, que le ventre se casse aussi. Joyeux anniversaire, Willy. T'es pas encore passé dans ce fauteuil, mais ça ne serait tardé. Begu. Salut Willy, je te souhaite un bon anniversaire, longue vie, bénédiction. Et t'inquiète, un jour j'irai à la recherche du reste de tes cheveux et aussi de tes abdos. Profite. Joyeux anniversaire Willy. Merci. Merci beaucoup. Tu vois, merci. Derrière Villa, il y a Villa. Merci. Félicitations. Et ça a été. Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman, salut maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Willy. Merci. Oh putain. Je danse pas seul, hein. Je danse pas seul. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci infiniment. Merci. 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 Je crois qu'on va faire un gros plan sur le gâteau parce que la photo qui est là-dessus, la personne connaît vraiment Willy. Et c'est, y a rien à discuter. Merci, merci beaucoup. Merci. Ok. Je voulais juste dire merci au Seigneur d'avoir donné un an de plus à mon fils parce que ce n'est pas permis à tout le monde. C'est une grâce. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux. Mais quant à lui, le Seigneur lui a donné un an de plus. Donc, voilà pourquoi je dis, c'est une grâce. Willy, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te lève encore Amen. De plus. Et qu'il te donne encore beaucoup d'anniversaires de plus. Je t'aime. Merci. Merci.
Et ça aussi, Dieu va donner encore mille et une année à Willy. Amen. Parce qu'il est très respectueux. Merci. Voilà, je ne sais pas. Je crois que ça doit être son seul défaut. Oui, non, je ne l'ai jamais vu du tout avec quelqu'un. Tu es petit, tu es un doyen comme nous, mais il est très très respectueux. Je ne sais pas où il a appris ça. Bon, quelque part, il va apprendre à écrire, se lever un peu le ton sur les autres pour qu'on puisse te respecter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et Dieu va. Merci. Ben. On va prendre deux. Merci. Bon anniversaire, Willy. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, en direct de Life TV, où on forme une grande famille, c'est l'anniversaire de Willy. On fait du bruit pour lui. Que Dieu te bénisse abondamment, c'est très talentueux. Tu nous fais toujours plaisir. Tu as su nous rassembler autour de ton émission. Tu es super, Willy. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Merci. Mais bon, plus me renvoyer. On fait du bruit encore pour Willy. C'est le meilleur. Merci. On va lui donner bénédiction. Ta maman. On va prier pour lui. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire pour la vie que tu donnes. Merci pour Willy ce matin. Merci pour ce que tu as fait pour lui tout au long de sa vie. Nous te prions de lui multiplier encore ses années et de donner à ce qu'il soit une source de bénédiction pour Life TV et pour tout le monde entier, pour que toi seul tu en tires gloire. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. On ne risque pas l'embrasser. Au revoir. Merci. 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 Merci.